14 morts et plusieurs blessés. C'est le bilan provisoire d'un accident de circulation grave qui s'est produit sur la route bypass, précisément au triangle qui mène vers l'université de Kinshasa. Un camion de type Ben appartenant à une entreprise chinoise de construction a connu une panne de frein et a fini sa course en ramassant des véhicules de transport en commun, de motos et de piétons. Aussitôt informés, les membres du gouvernement ont effectué les déplacements sur le lieu de l'accident, notamment les vice-premiers ministres, ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankondé-Malamba, et les ministres d'État, ministre de la Santé publique, Dr Eteni Longondo, pour s'enquérir de la situation. Les deux membres du gouvernement étaient au chevet des blessés internés aux cliniques universitaires de Kinshasa. Vraiment, je suis étonné de savoir qu'il y a ces genres de camions d'abord qui peuvent circuler à Kinshasa. Il faudrait que nous puissions faire encore un effort pour que la circulation soit très bien contrôlée au niveau de Kinshasa pour éviter ces genres d'accidents. En tout cas, au niveau des cliniques universitaires ici, nous avons 14 décès et le médecin directeur, il va faire un état de besoin et le gouvernement va prendre et le soin et l'enterrement en charge.